Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Carspotting. Je suis à côté d'une Toyota GT86. Elle est vraiment pas mal. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Carspotting à Thionville. On a vu quelques petites choses comme une vieille M5, on l'a pas retrouvée. Là du parking où je suis, je peux apercevoir un SQ5 et une RS5, je crois bien. Donc on va aller voir ça de plus près, c'est parti. On a le SQ5 qui est là-bas, mais c'est pas très intéressant comparé à la magnifique RS5 qui est là. Donc les RS, c'est une nouvelle RS5 en plus avec les jantes là grises. C'est vraiment les plus belles jantes, je trouve, en tout cas de toutes celles que j'ai vues. Elle est vraiment waouh, vraiment magnifique. Elle est super jolie. Très belle Mustang simple. Mais efficace, voilà, on continue le carspotting, on est au Géric, on a fait le parking, il n'y a rien de spécial, mais elle est belle. On a une très très belle Ferrari 488, j'ai couru, une 488 GTB, j'ai couru, parce qu'on l'a vu au loin, et j'ai de la chance, elle s'est arrêtée au CJ Couture, avec la plaque qui va bien avec le modèle. Waouh, noir. C'est une chance de fou parce qu'elle s'est arrêtée, j'ai vraiment eu de la chance et je suis trop content. On allait sur la route, pour aller voir une M2, mais on l'a vu passer, alors on a couru. La M2 attendra face à ça. Waouh, regardez-moi ça quoi. Avec les prises d'air. Magnifique le feu de Formule 1 là. Oh, 208 GTI. Trop belle, je suis trop content. On a la 480 qui est là et un SQ5. Bon, beaucoup moins bien, mais la 488 est juste magnifique. Et dans un très vieux vlog, à la même place, il y avait une F-Type. Une F-Type noire aussi, garée là. Elle est magnifique. Oh, elle vient aussi. On a un combo qui est en train de s'effectuer en direct. Attends, c'est la nouvelle? Ah non, je croyais. On a une Porsche Carrera T et une Ferrari, pardon, 488. On a un beau combo qui vient d'arriver. Et c'est trop bien. Magnifique. Toutes les deux noires. Dommage qu'il y a la Opel au milieu. Ça aurait été beau juste les deux à côté, mais malheureusement non. Donc c'est pas grave, magnifique. Audi S5. Magnifique. Toujours devant la Porsche. Et la 488. On a beaucoup de voitures qui passent dans cette rue, c'est cool, on va rester là. On a une Morgan, je crois que c'est la AR plus 4. Ah oui, c'est le mec d'Ayange. Magnifique. La Mustang qui passe, toujours à côté des deux là. On attend qu'elle parte, mais c'est vraiment long. Donc tant pis, on attend quand même. Voilà, je marche entre deux supercars. Ah ouais, j'avais même pas vu. Ça, c'est tellement beau. Voilà comment refaire ma journée. C'est magnifique. On a une très belle M3 dans un gris un peu avec des reflets bleus. Superbe jante, un peu modifiée. On a beaucoup de carbone. Ici, le petit béquet, logo noir, diffuseur, carbone. Les rétros.
les rétrocarbones, non ça c'est pas en carbone, et la lame à l'avant, en carbone, à l'intérieur aussi, alors l'intérieur carbone avec, non je crois même pas en plus, ah oui au milieu en bas au niveau de, du levier de vitesse, très très belle M3, une configuration super jolie, modifiée un tout petit peu et elle est super belle. Voilà. Ce que j'aime pas juste à l'avant, c'est le logo M3 qui est là. Mais sinon, elle est trop trop jolie. On a une R8. Alors, je sais pas où elle va. V10. R8 V10.